Alors on va faire un test micro, je ne sais pas si ça remarche, mais on a eu des petits problèmes de son. Désolé pour ce petit problème. Donc nous voilà de retour et comme pour le premier match, après 40 secondes, 9 touches échangées. Donc ça y est, on est bien de retour. 8-1 pour Anna Sanan pour cette deuxième demi-finale. Alors on dirait pas, mais un match peut durer 3 fois 3 minutes. Donc avec entre chaque période de 3 minutes, une pause où les deux escrimeurs peuvent aller voir leur coach, s'hydrater et se restaurer légèrement. Oui, chacun a ses petites habitudes. Certains veulent s'asseoir, d'autres préfèrent rester debout. Je pense que c'est justement sur ce genre d'expérience qu'on prend nos petites habitudes. Est-ce qu'on préfère être assis? Est-ce qu'on préfère être debout? Est-ce qu'on préfère manger? Très bel arrêt de Lung. Donc, pendant que Kanas prépare son attaque, Lung l'empêche d'aller au bout de sa touche. Il semblerait qu'Anas n'ait pas apprécié cet arrêt, puisque la réponse à l'arrêt est un autre arrêt. L'arroseur arrosé, comme on dit. La réponse du berger à la bergère. On peut en faire beaucoup comme ça. Non, il est extrêmement complet ce tireur et j'ai hâte de le voir évoluer dans les prochaines années, parce qu'on l'a découvert déjà l'an dernier, il avait terminé sur le podium. Pour le moment, il semblerait qu'il domine le Fleuret Junior. Ah oui, il est numéro 1 mondial, il a 3 finales, dont 2 victoires, et donc 4 finales. Parce qu'en comptant celle-là, on est à 4 finales. Ah, il n'y est pas encore, on va pas commencer à se porter. Comptez les finales à 8, autant pour moi. Non. Finale. On a 3 finales, 2 victoires. Donc on est quand même sur un ratio assez impressionnant. Hein. C'est ça. 2 victoires pour une défaite en finale. Et une médaille de bronze au championnat du monde, comme je vous disais un petit peu plus tôt. C'est bien ça. Survole son sujet, il a quasiment 60 points d'avance sur le numéro 2 mondial, qui est Chase Emmer, l'américain, qui a été une surprise aujourd'hui. Oui, il est sorti très tôt, le tableau de 64. Exactement. Ça a été vraiment une grande surprise. Mais on a eu pas mal de surprises. Oui. Mais on est bien content que Anna Sanan n'en soit pas une. Je suis très à l'aise. Alors pour faire ça, il faut avoir un niveau de confiance. Il semblerait qu'il soit à l'aise. Alors, le public ne dort pas loin de là. On a d'ailleurs pas mal de monde aujourd'hui. La touche, bien évidemment, ne sera pas validée. Anas ayant dépassé son adversaire, on annule la touche. Et on recommence. Il est patient. Ah, c'est dommage. Un autre arrêt hongkongais. 14-4. Eh bien, malheureusement pour nos spectateurs, nos deux Français n'avaient pas envie de faire du show, simplement accéder à la finale. Alors, une première bonne nouvelle, c'est qu'on aura sûrement, pas parler trop tôt, hein, mais bon, sûrement deux Français en finale. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas dépensé trop de jus sur cette demi-finale. Donc ça promet un beau spectacle pour cette finale. Et voilà la quatrième demi-finale. Il y avait pas match. Donc on se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour la finale et à tout à l'heure. Restez connectés, restez en ligne. De France Junior et également le maître Greg Koenig, entraîneur du champion olympique à Tokyo, s'il vous plaît.